Bonjour à tous, Jean-David Naud pour Radio Volontarisme, Télé Volontarisme maintenant. Bah, vous voyez ma bobine aujourd'hui, hein, parce que la mayonnaise a pris, j'ai eu une célébrité fulgurante sur Facebook en quelques heures, à cause d'un petit tract que j'ai distribué près de chez moi en Touraine, et qui a été partagé à quelque chose comme 150 000 fois, enfin un nombre complètement incroyable. Donc dans ce tract, écoutez, je vous montre le recto. Donc on voit les, c'est en gros c'est l'idée de montrer que c'est par rapport évidemment à la manifestation des gilets jaunes, c'est que le carburant c'est pas évidemment pas le seul problème et que Macron est pas le seul fautif. Mais ça tout le monde le savait justement chez les premiers gilets jaunes, hein, c'était pas que le carburant, ça a été un peu la goutte de gazole qui a fait déborder le réservoir. Donc on montre, j'ai eu l'idée de dire bon voilà, comme c'est pas que le carburant, on va prendre d'autres exemples de taxation et de voir sur combien l'État nous prend pour chaque exemple. Voilà, donc j'ai donné quelques exemples. Je mettrai un lien vers ce tract en haute définition, comme ça vous pourrez vous amuser à le lire. Et de l'autre côté, j'ai marqué un petit blabla. Et ce petit blabla, c'est un constat en fait, que l'État est incapable de dépenser l'argent correctement. C'est-à-dire que, en gros, je pars du principe, on voit qu'on paye énormément de taxes. Et que on a des services de merde essentiellement qui coûtent une blinde. Donc pourquoi? Il y a une raison à ça. Enfin, il y a plein de raisons, mais le constat en tout cas il est là. C'est que on voit que l'État est même pas capable de gérer, d'équilibrer un budget. Je veux dire ça, équilibrer un budget, tout le monde sait le faire. Je veux dire même une personne pas très intelligente. Je veux dire, ils arrivent quand même à avoir à peu près au moins autant d'argent que, enfin, à dépenser pas plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Ça, l'État, il est incapable de le faire, alors que c'est facile. Donc comment ça serait possible que, sachant qu'il est incapable de faire ça, qu'il soit foutu de réaliser des tâches complexes, mais infiniment complexes, comme, je sais pas moi, faire la santé, les hôpitaux, les écoles, enfin toutes ces choses en fait dont l'État s'occupe aujourd'hui, pour lesquelles il a un monopole, et qui marche d'ailleurs de moins en moins bien. Il n'y a pas un service de l'État qui marche de mieux en mieux, puis bon, bah, je donne des exemples dans ce tract. Puis évidemment, il y a une solution pour en sortir, hein, parce que c'est pas que un constat, c'est aussi une solution pour en sortir. La solution, bah, c'est tout simplement moins d'État. Moins d'impôts, plus de liberté. Donc ça, c'est le tract. Donc il a été bien accueilli, tout ça. Il a été beaucoup diffusé. Et il se trouve qu'il y a une journaliste de 20 minutes qui m'a contacté, elle est tombée dessus, et elle m'a contacté pour savoir d'où je tenais mes chiffres, ce genre de choses. Elle faisait partie du service de fact-checking de 20 minutes. Alors, donc vous savez, je suis une fake news à moi tout seul, maintenant je suis très fier. On s'est parlé une vingtaine de minutes au téléphone. Je lui ai donné mes sources, comment j'établissais tel ou tel graphique. Et puis après, elle a écrit son article. Donc là, l'article est publié, il est en ligne. Je vais mettre le lien dans la description et je vais le commenter. Donc j'ai commenté cet article, voir comment le service anti-fake news de 20 minutes a reçu mon tract, qui est quand même, je pense, pour l'essentiel une vraie news. Mais ça sera aussi l'occasion pour moi de vous montrer que c'est pas du vent quand je dis à la fin de chaque vidéo reprenez-moi, corrigez-moi, montrez-moi où je me trompe, et faites-le et je corrigerai. Ce que je vais le faire aussi, parce que il se trouve que, effectivement, je veux dire, dans ce tract, tout n'est pas exact. C'est quand même, l'essentiel est vrai, mais il y a, à la marge, quelques petits détails qui sont effectivement imprécis. Et ces petits détails, elle l'a noté d'ailleurs, elle a noté un grand coup de tampon sur l'image du tract qu'elle a mis sur son site, elle a mis, bam, imprécis, rageusement imprimé, en rouge. Donc voilà, bon, j'ai eu une mauvaise note par 20 minutes, mais c'est pas grave, je vais vous montrer que cette mauvaise note, elle est peut-être pas si justifiée que ça. Donc c'est parti, je vais voir tous les points qu'elle a donnés sur tous les points qui ont été qui tous les points du tract qu'elle a discuté. Je vais voir ses arguments et on va reprendre. Donc déjà, première chose à dire, elle me présente bien. Elle présente bien ma personne, pour ce pourquoi je me bats, c'est-à-dire essentiellement plus de liberté, moins d'impôts, moins d'État. Ça, elle le dit. Et donc ça, c'est bien, donc il faut le dire. Ensuite, sur le carburant, elle passe, évidemment, bon, elle n'avait pas grand-chose à dire, parce que c'était exact, donc elle en fait quand même un paragraphe, donc pour le carburant, elle n'a rien à dire, elle a dit c'est bien. Ensuite, sur la partie salaire, je remonte le tract, c'est la deuxième ligne, le deuxième diagramme, vous voyez, donc je donne un salaire net de 1700 euros, et j'écris que, en fait, sur ce salaire, il y a 1100 euros qui partent en taxes. En fait, c'est 1700 euros plus 1100, pour un total de 2800. Donc c'est 1100 balles. Qu'est-ce que c'est? Il y a évidemment la différence entre le brut et le net.
ce que le salarié pense négocier. Et derrière, il y a toutes les charges dites patronales, c'est-à-dire c'est tout ce que le patron paye en vous embauchant, qu'il n'aurait pas payé si vous n'avez pas embauché. C'est-à-dire typiquement les trucs pour la sécu, ce genre de choses. Alors du coup, elle l'écrit, donc elle dit, toutefois, l'État ne prend pas à proprement parler ces sommes, ce qui en ferait un impôt, mais utilise ses cotisations sociales pour financer différents droits, retraite, sécu, chômage. Donc effectivement, c'est vrai que cette partie des taxes, ça sert prétendument à alimenter tous ces trucs-là. Bon, maintenant, est-ce que le fait que ça alimente, est-ce que le fait que le patron se change en percepteur des impôts et reverse ce pognon-là à la sécu ou aux retraites, est-ce que ça suffit à retirer le label impôt à ce truc-là? Moi, je suis pas sûr. C'est-à-dire que c'est pas l'usage de l'impôt qui, enfin, c'est pas l'usage d'une somme qui est faite, enfin, qui fait sa qualité, c'est le processus selon lequel cette somme est amassée. En l'occurrence, c'est-à-dire, en l'occurrence, je veux dire, le salarié n'a pas le droit de choisir de ne pas cotiser à la sécurité sociale, ou de cotiser à une autre d'ailleurs, hein, je veux dire, il n'a pas ce choix-là, hein, c'est obligatoire. Il doit cotiser à la Sécu, il ne peut pas cotiser à, je sais pas, à la Lloyd par exemple, qui est aussi une compagnie d'assurance. Et à partir de là, comme il n'a pas le choix, ben ça devient un impôt. De la même façon pour la TVA, vous n'avez pas le choix vous n'avez pas d'autre choix que de la payer. Ça part dans les poches de l'État, vous savez absolument pas ce qu'il en fait avec. Je veux dire, évidemment que l'argent qui part en impôt, dans les taxes, la TVA, l'impôt sur le revenu, et tous les autres impôts qui existent, je veux dire, bon, ben, c'est l'État en fait quelque chose de ce pognon-là. Je veux dire, évidemment, les hommes de l'État s'en mettent un peu dans la poche, mais au passage, mais à côté de ça, ils font aussi d'autres trucs. Je veux dire, par exemple, ils vont peut-être construire des routes, acheter un nouvel avion de chasse, ce genre de choses, ou peut-être aussi organiser la sécurité sociale, les retraites, et tous ces trucs. Donc oui, c'est bien un impôt, puisque on n'a pas le choix, le salarié n'a pas le choix de payer, de se soustraire à cette somme. Et pas plus que le patron d'ailleurs. Peu importe que les sommes aillent à la santé, aux routes ou à je ne sais quoi. Je veux dire, c'est exactement comme le mafieux. Je veux dire, il vient vous voir, il vient vous prendre 20 balles, enfin 20% à toutes les semaines de votre restaurant. Après, peut-être qu'il vous avez un service de protection, mais bon, vous ne contrôlez pas la destination de cette somme. Et si ce mec-là était jamais venu vous voir, ben, vous ne payerez pas cet argent-là et vous n'aurez pas besoin de protection d'ailleurs. Donc c'est bien un impôt. Et donc cette personne se trompe sur ce coup-là. Ensuite. Le point sur la médecine. Donc sur la médecine, j'avais fait ce diagramme-là où je montrais que sur une consultation à 25 balles, il y en a 12 qui partent chez le médecin et 13 qui partent chez les impôts. Bon, et là-dessus, effectivement, je dois confesser que j'ai pas été tout à fait exact. C'est beaucoup plus compliqué que ça en vérité. Et la journaliste l'explique dans son article. C'est parfaitement incompréhensible, mais bon, à la fin, quand on relit et qu'on essaie d'en tirer à peu près, enfin, les bribes de vérité qui se trouvent là-dedans, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le médecin est taxé à 30% pour les URSSAF, et derrière, il paye l'impôt sur le revenu. Bon, une fois qu'on met tous ces trucs bout à bout, je pense on doit arriver à une valeur qui doit être à peu près voisine de la mienne. Bon, cela dit, j'étais vraiment de bonne foi quand j'ai écrit ça, parce que c'est quand j'ai fait ce diagramme, puisque j'étais en rapport avec les professions libérales, avec les personnes qui exercent des professions libérales, qui m'expliquaient qu'ils étaient taxés à peu près à ces hauteurs-là, entre 45 et 55%. Je me suis dit, bon, allez, on prend la valeur haute et on y va. Et bon, bah, peut-être que je me suis effectivement trompé là-dessus, mais quelque chose me dit que si on met ces fameuses URSSAF, plus les 30%, et peut-être d'autres trucs qui viennent s'ajouter derrière, mais qui ne sont pas dits, on ne doit pas arriver très très loin des valeurs que je donne. Voilà pour la médecine. Et ah oui, au passage, du coup, s'il y a des médecins qui regardent cette vidéo, ben, n'hésitez pas à me contacter et à rétablir la vérité sur ce sujet-là. Voilà, vous touchez 100 balles, combien en donnez-vous à l'État? Combien payez-vous d'impôts, les médecins? Je vous attends, j'attends votre réponse. Ensuite, une partie, peut-être la partie la plus intéressante d'ailleurs. Et aussi, souvent la plus mal comprise, c'est la partie sur la création monétaire. Donc je vous montre vite fait le petit diagramme. C'était ici. Donc vous avez un bas de laine, l'État vous envole chaque jour un peu en créant de la fausse monnaie. Et donc là-dessus, qu'est-ce que explique cette journaliste? Elle dit, ouh là là là, ce n'est pas l'État, je cite, hein, ouvrez les guillemets. Donc ce n'est pas l'État qui imprime la monnaie, c'est le rôle de la Banque de France, indépendante de l'État depuis 1993. La politique monétaire est, elle, définie par la Banque Centrale Européenne. Alors, elle donne ma réponse derrière, quand même. Donc, beau geste. La réponse est, donc je cite, « La Banque Centrale Européenne n'existerait pas sans l'Union Européenne. Or, l'UE est bien un État.
c'est quelque chose de contraignant. Les États européens font l'UE. Alors, c'est un peu, il y a des ellipses dans ce que j'ai dit, donc je vais essayer d'expliquer ça de façon un peu plus claire. Parce que quand on lit cette phrase comme ça, bon, je sais pas, c'est pas dit forcément qu'on comprenne directement. Donc oui, la Banque Centrale Européenne, la Banque de France, ce sont des créatures de l'État. Je veux dire, ces trucs-là n'existeraient pas si l'État ne les avait pas financés, si l'État ne les avait pas créés. Ces trucs-là fonctionnent avec l'argent des impôts en définitive. Je veux dire, c'est pas une société libre, je veux dire, c'est pas une entreprise, je veux dire, c'est pas un artisan qui s'est dit, ah tiens, si je vais faire la Banque de France un jour, et puis je vais me mettre en contrat avec l'État, mais je vais surtout pas prendre l'argent des impôts, je vais prendre l'argent de mes cotisants à moi, par exemple. Enfin, je sais pas quel montage financier quelconque. Non, c'est pas du tout ça, c'est une création, c'est vraiment, ces banques centrales sont des créations des États, donc en l'occurrence, la Banque de France est une création de l'État français, c'est financé par les impôts des citoyens français. La Banque Centrale Européenne, c'est une création de l'Union Européenne. Or, l'Union Européenne, c'est bien une création des États français. C'est-à-dire que les citoyens, enfin des États français, des États européens, c'est-à-dire que les citoyens européens payent des impôts à leur État reverse une partie des sommes à l'Union Européenne, qui fabrique derrière la Banque Centrale Européenne. Et sur la partie de la création monétaire, effectivement, le fait de créer de la monnaie, c'est bien de la fausse monnaie, et c'est bien un processus qui fait... En définitive, aboutit à transférer les richesses de ceux qui sont très loin de cette source de nouvelle monnaie vers ceux qui en sont proches. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, la Banque Centrale Européenne, elle va imprimer je sais pas, des milliards de faux billets d'euros. Elle va, enfin bon, ils prétendent qu'ils sont vrais, hein, mais c'est de la fausse monnaie quand même. Hein, c'est de l'argent que la Banque Centrale Européenne crée de la monnaie, elle prétend qu'elle a de l'argent, alors qu'en fait, elle n'en a pas. Elle va acheter des vrais trucs qui existent avec. Et profiter des prix au moment, enfin des prix qui ont cours au moment où ces billets ont été imprimés. Par contre, au fur et à mesure que cette monnaie se diffuse dans l'économie, je veux dire, le système des prix fait que les prix s'ajustent et les prix vont monter. Ce qui fait que les gens qui sont loin de cette source de nouvelle monnaie, bah, eux, ils devront tout payer plus cher. Et donc, c'est bien un transfert de richesse qui se produit dans ces cas-là. Alors, il se trouve que j'ai fait une vidéo qui s'appelle La création monétaire en 4 minutes, je crois, où j'explique ce phénomène en un peu plus de détails, et puis il y a même des petits dessins. Donc, allez la voir, hein, c'est pas très long, et bon, je pense que ça explique assez bien le phénomène. Donc, bah, sur ce coup-là, bah, oui, hein, la fausse monnaie est bien créée par les banques centrales qui sont des créatures de l'État. Donc, c'est bien l'État qui est à l'origine de ce vol. Parce que c'est bien un vol, et donc là-dessus, ben, je dis la vérité et elle a tort. Passons à la suite. La suite, la partie sur l'héritage. Donc je vous montre le petit tract. C'est l'avant-dernière ligne. C'est en gros, voilà, ben, vous mourrez, hein, c'est pas de chance. Et ben, sur l'héritage qui vous est laissé, eh bien, il va falloir quand même payer les taxes. Donc j'avais pris un taux que j'avais trouvé sur Journal du Net, je crois. Qui était un taux de 20% pour une somme de 300 000 euros que j'avais trouvé là-dessus. Donc, bon, je me suis dit, bon, bah voilà, elle a promis 20%, puis on n'en parle plus. Bon, là-dessus, cette journaliste m'a appris quelque chose, effectivement, mais c'était pas que elle d'ailleurs, hein, c'est au moment où je distribuais déjà ce tract, elle me disait, ah, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est quand, si on donne l'argent à nos enfants, il y a des abattements, on ne paye pas autant que 20%, on en paye un petit peu moins. Effectivement, la hauteur de la taxe serait plutôt entre 12 et 13%. Donc c'est moins, c'est vrai, mais bon, c'est quand même du vol, c'est quand même un impôt sur les morts, c'est super classe. Et ah oui, il y a aussi un autre truc sur l'héritage qui est intéressant, c'est que effectivement, pour les enfants, c'est un peu moins que 20%. Mais il y a aussi des tranches qui sont à beaucoup plus que 60%. Et en fait, en vérité, si vous regardez les tranches d'imposition pour les héritages, eh bien, vous vous retrouvez avec tout un spectre de taxation qui va de raisonnablement pas trop comme pour les enfants, à cataclysmiquement élevé comme pour les amis. C'est-à-dire que si vous essayez de léguer quelque chose à votre ami, eh bien, à ce moment-là, c'est un taux de 60% qui s'applique. Et là, c'est plus la même histoire. Donc, je pense que j'ai pas trop transvesti la réalité lorsque j'ai utilisé ce taux de 20% qui doit être quand même assez souvent appliqué. Bon, entre-temps, j'ai changé le texte sur le tract. Hein. Vous voyez, j'ai mis ici 240 000 pour les héritiers et plus pour les enfants. Puisque, donc, comme ça, c'est peut-être un peu plus juste ou un peu moins imprécis. Et voilà, bah, on a fait à peu près fait le tour. Mais je me rends compte aussi que cette personne. Cette journaliste, elle a oublié de commenter la dernière ligne, qui est, je pense, la plus importante, c'est que quand on met toutes ces taxes bout à bout, les taxes qu'on ne voit pas, enfin, tous les impôts directs, hein, bien sûr, hein, eh bien, on arrive, pour un salarié, à une taxation de 70%. C'est-à-dire que vous gagnez 1 000 balles, ben, il y en a 700 qui partent pour l'État.
Et donc je conclus par les pavés de la vie, évidemment. Mais là-dedans, on compte évidemment pas tous les impôts indirects. On compte pas ni la taxe du pétrole, ni les taxes d'habitation, ni les taxes pour l'audiovisuel. Enfin, maintenant, c'est peut-être plus vrai, maintenant que c'est dans la taxe d'habitation, je sais plus. Ni tous les autres trucs qui sont obligatoires d'acheter, comme les détecteurs de fumée, par exemple, et d'autres trucs qui servent à rien. Voilà. Donc, voilà pour ce tract. J'ai à peu près, je pense que j'ai à peu près commenté cet article de 20 minutes dans lequel, écoutez, je passe quand même pour une fake news, c'est quand même le début de la gloire. Et je voulais dire un autre truc aussi, c'est-à-dire que vous voyez, là j'ai mis le tricolore derrière avec le crotal de la liberté, et je pensais que c'était, voilà, je pensais que c'était une bonne image à partager. Mais il n'est pas que sur le drapeau, hein, regardez, il est aussi sur le gilet jaune. Bah oui, parce que à la base, ce tract, c'est pour soutenir les gilets jaunes et pour y propager les bonnes idées, ce qui montre le sens de plus de liberté, moins d'impôts, moins d'État, puisque c'est le seul moyen de sortir de la situation dégueulasse dans laquelle nous trouvons. Et donc, vous voyez ce tract-là, je le distribue depuis début novembre à peu près. Depuis le début novembre, et l'accueil que je reçois est excellent, vous n'avez pas idée. Je donne ça autant aux gilets jaunes qu'aux individus, enfin, aux individus qui ne sont pas gilets jaunes, qui ne connaissent pas forcément le mouvement, ils le reçoivent super bien. Et c'est, enfin, pour vous donner une idée, mais j'ai jamais eu autant de réponses oui à la question, faut-il abolir le monopole de la Sécu? Les gens ont-ils le droit de prendre l'assurance santé qu'ils veulent? Je veux dire, je n'ai jamais rencontré autant de toute ma vie, j'en ai écrasé une larme même avant. Et donc tout ça pour vous dire que cette envie de moins de taxes, plus de liberté, il est présent dans la population. Donc c'est bon, vous voyez, moi, Radio Volontarisme qui dit tout un tas de trucs sur le principe de non-agression et tout, et c'est vrai que je suis obligé de dire quand même à un moment donné de rappeler de constater que les gilets jaunes, c'est pas un mouvement qui est super correct par rapport à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on viole le principe de non-agression quand on limite les gens dans leur circulation. C'est vrai. Mais malgré tout, je vois aussi l'état du pays. Et l'état du pays est tel que je pense qu'on aurait tort de faire la fine bouche. D'autant que les Gilets jaunes aujourd'hui, c'est, je crois, à ma connaissance, le seul mouvement qui a une envergure nationale et qui est parti sur une revendication anti-taxe à la base. Donc on aurait vraiment tort de la faire la fine bouche. Et je pense que tous les amoureux de la liberté devraient faire comme moi. Et rejoindre ce mouvement pour y propager les bonnes idées. Un peu de raison, un peu de logique, et la capacité à. Comment on n'est pas la capacité, mais plutôt des arguments, justement, contre les solutions qui sont à la base du tout État, et qu'on commence à voir fleurir sur ces groupes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes a déjà changé. C'est-à-dire que les premiers jours, c'était vraiment, véritablement, un mouvement de petits patrons, de travailleurs qui demandaient moins d'impôts. Là, maintenant, depuis quelque temps, le mouvement commence à se faire infiltrer par les rouges. Et ces bolcheviks, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont inonder les groupes Facebook avec leurs inepties habituelles, hein, les démagogies sur il faut monter les salaires, obligé à avoir le SMIC à 4000 euros. Enfin bref, on voit passer des listes de revendications qui n'ont ni queue ni tête, qui sont complètement contradictoires. Ils disent voilà, il faut plus de pouvoir d'achat et donc on va obliger, par exemple, on va décréter que le pouvoir d'achat sera haut. Mais ça ne peut pas marcher un truc comme ça. Et également, évidemment, ils veulent. Toujours l'extension infinie de l'État-providence. Mais un truc comme ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un État-providence qui est massif et des petits impôts. Si on veut un gros État-providence, ben à ce moment-là, il faut des gros impôts. Le problème, c'est que même comme ça ne peut pas tenir dans la durée. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura beaucoup d'impôts et un gros État-providence? On dira, ben voilà, la situation est réglée et l'État s'occupe de tout, il soigne les gens, il les éduque, il les enterre, il les fait naître, il leur fait tout ce que. Enfin, voilà, il s'occupe d'eux du berceau à la tombe. Mais le problème, c'est la question, c'est qui paye cet État-providence? Ben, ce sont les gens qui ont du pognon. Le problème, c'est que les gens qui ont du pognon, ils ont aussi les moyens de se barrer. Donc, et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont se barrer dans des paradis fiscaux. Et une fois qu'ils seront tous barrés dans ces paradis fiscaux, qu'est-ce qui va rester en France? Ben, on va se retrouver entre pauvres et entre chômeurs. Et tout s'effondrera. Entre-temps, on n'aura pas de solution alternative à cet État-providence qui va évidemment s'écrouler. Sans alternative, ben, on sera plus soigné, plus éduqué, les routes vont. Ça sera clairement, ça sera le chaos, quoi. Je veux dire, je pense que personne n'a envie de ça. Je pense que les gens qui propagent ces idées complètement idiotes sur les groupes, ils n'en ont pas forcément conscience. Enfin, quoique, en vérité, je ne sais pas, je pense qu'il y a un peu de catégories là-dedans. Il y a la première catégorie qui pense pas en quatre dimensions et qui est incapable d'imaginer les coûts cachés
et les conséquences des actions qu'ils prétendent mener, c'est-à-dire typiquement ce que je viens d'expliquer. Et par contre, il y a effectivement une deuxième catégorie qui, à mon avis, sont d'authentiques parasites et qui n'ont qu'une envie, c'est de vivre aux dépens des autres. Quoi qu'il en soit, première catégorie ou seconde, ces théories sophistiques doivent être, je pense, bloquées pour faire en sorte que les gilets jaunes redeviennent ce qu'ils étaient à l'origine, avant le 17 novembre, qu'ils redeviennent un mouvement massivement anti-taxe pour plus de liberté. Moins d'impôts, plus de liberté. C'est la seule solution. On ne pourra pas faire autrement. Ben voilà, je crois que j'en ai à peu près fini. Moi, à part, ben, en tout cas, déjà, je vais m'y atteler, hein, déjà, à contrer le bolchevisme sur Facebook, et pas que sur Facebook, dehors également. Dernière chose, bah non, mais non, pas dernière chose, je crois que j'ai fini. Donc, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Merci à cette journaliste de 20 minutes de m'avoir fait une publicité inespérée. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, hein, contrairement, ok, ils mettent le tampon imprécis dessus, mais moi je m'en fous, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle diffuse mon tract, et que le message passe. Le message, c'est on est beaucoup, beaucoup trop taxé en France. Ça doit cesser. Il faut réduire les taxes pour avoir plus de liberté et pouvoir vivre normalement, tout simplement, et retrouver la prospérité, parce que c'est le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. Donc merci encore d'être allé jusqu'au bout. Si j'ai dit une grosse connerie, comme d'habitude, contactez-moi, je corrigerai, comme je viens de le faire ici, pour certains points, évidemment. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt sur Radio Volontarisme.